matin, nous sommes partis en pêche à 5h du matin du port d'Andaye et nous allons dans cette zone-là, sur les premiers accords du gouffre de Cap-Breton. On voit bien tout le gouffre de Cap-Breton. Tout ça, c'est le gouffre de Cap-Breton qui descend jusqu'à des profondeurs de 4000 mètres. C'est révolutionnaire quand même, donc qui est toujours fabriqué à Bidart, chez Maxi, voilà, et qui est allié avec Furuno. Donc nous, on est équipé d'un sondeur Furuno, d'un GPS Furuno, et on est équipé en Furuno, d'un radar Furuno aussi. Et donc, au plus on passe sur les traces, on croise, au plus on a des infos précises sur les fonds marins. Voilà, ici qu'on peut configurer comme on veut, et aussi le PPG, donc Personal Bathymetry Generator. Donc bon, on va bien, on va sur la fosse et là on va jouer. Ça a mêlé. Ça a croisé. Tire. Allez, les bleus. Oh, vous faites, ça glisse. Elle est belle. Elle est belle, les brillantes. Attends. Non, je peux l'attraper. Non, pas. Attention les doigts, hein. Ah, tu c'est beau quand même, hein. Ah, mais bravo, enfant. C'est le plus gros. Ouais, il est beau. Oh, yeah.
comme il est bleu. Regarde comme il est bleu. Ici, là, regarde, pas. Mais il est beau, oui. Il est au fond, lui, hein. Ouais. Ah, il doit être tout celui-là. Ouais. Vas-y mon doudou, t'arrêtes pas. Allez, vas-y, c'est quoi hein, ce petit fil là, ça glisse. Comment ça va, José? Arrête pas, régulier. Et il faut pas dire des gros mots parce que c'est filmé. Hein. On dirait que tout le monde a carté, hein. Oh putain. Elle est trop loin celle-là aussi. Je peux la raccourcir. Joli. Piqué au lait. Pique quoi? Allez, on prend la photo. Avec José. Par dessous. Voilà. Avec José. Allez, José. Allez. Hey, José, il va sortir la tête de la photo. Fait de chasse. Nous voici à mi-parcours de notre journée de pêche, entamée ce matin à 5h. Nous allons rentrer au port d'Andaroa pour déjeuner et ensuite nous reprendrons la mer pour continuer notre pêche et rentrer en fin de journée au port d'Andaï.
a deux ou trois bonites. Alors Hervé, quel est ton sentiment sur cette première matinée de pêche? Bon, déjà pour moi c'est une première, c'est une découverte. J'ai vu des choses fantastiques, des belles chasses, j'avais jamais vu ça. Comme moi. C'est très très bon. Manu, j'étais fantastique. Et la pêche en elle-même, bon, heureusement qu'on a José pour nous donner un coup de main, parce que c'est quand même assez, c'est un peu technique. Mais bon, je pense qu'à la 4e ou 5e sortie, j'arriverai à pêcher tout seul, mais pas à trouver les coins où on voit ces chasses-là. Ça, à mon avis, il n'y a que lui qui doit connaître ça, je pense. Merci. Une pêche extraordinaire, je n'ai jamais fait une pêche aussi sanglante. D'ailleurs, on en a partout du sang. Non, c'était fabuleux. Et puis, José a été extraordinaire. Bon, le commandant, bon, je ne dirai rien parce que ça va pas. Il délègue. Voilà, je le ferai chanter plus tard. En tout cas, on a été tous une équipe super sympathique et moi je me suis régalée. J'espère qu'on va encore se régaler cet après-midi. Merci. Voilà. C'est une journée magnifique. C'est vrai qu'on voit des choses extraordinaires, les chasses et cette pêche avec des bonites, et ça nécessite, c'est sûr, c'est une pêche très technique, et grâce à l'aide de José, on a appris beaucoup de choses sur les techniques de pêche. Un bon équipage, une bonne ambiance, vraiment, on voudrait que ça dure longtemps. Appuie sur le bouton noir. Pas encore.
de tendre la ligne quand il arrive. Pêche va crescendo puisque cette fois-ci nous avons trois prises simultanées en plein repas. C'est quoi qui nous dit fini? Oh là 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 là. Celui-là il est resté. Ils sont nerveux. Allez, on avance. Celui-là il ne veut pas venir. Et je compte pas ceux qui ont tapé et qui sont pas touchés, je compte pas ça. Oui. Moi j'en ai perdu trois. Et après, il est arrivé deux ou trois fois. Ça a tapé au milieu, ça s'est décroché. Après sur la selle de gauche, une fois ça a tapé. Il y en a un, et on l'a mangé. Oui, il n'y a pas l'envie, c'est la selle. Il y avait 18 à taper. C'est la selle de gauche. Enfin, nous, on est plus grand. En fait, je suis quand même satisfait. On n'a jamais attrapé ça, moi. Ah, insatisfait, elle m'intéresse. Ah oui, non, pour une première, je suis très satisfait. Maintenant, José, je vais te mettre la pression, parce que la prochaine fois, c'est minimum 12 kilos. J'allais
Je me la mets tout seul, il n'y a pas besoin de me la mettre plus. Tu vas lui dire à Jean-Marc qu'il faut qu'il vienne pêcher un peu. Oui, 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 je vais lui. Et on va chercher les crabes, le soir. Le soir, hein. Là-bas, sous le pont. Après, on prend les palangres et on va les larguer avec les crabes. Et le lendemain, on va relever. Et après, les dorades et les. Après, on les mange. Sont bonnes. Ça doit être rigolo, ça. Cette année, il n'y a pas eu beaucoup, par contre. Et c'est quoi? Oui. Tu sais qu'ils tirent des vrais coups de canon. Terroristes. Il y a des chevaux et tout, ils sont tous... Les chevaux, ils sont tous habitués à passer, sinon. Il y a des belles, mais cette année, il n'y a pas eu de royal, il n'y a rien eu.